Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tour assez sympa et assez rigolo, bien sûr assez facile à réaliser. Donc, je vous montre la démonstration. Donc ici, j'ai quatre cartes rouges, donc qui consistent à une, deux, trois cartes rouges. Donc, vous avez bien vu. Bon, vous voulez que je vous remontre? Bon, il n'y a pas de problème. Donc on a une carte, deux cartes, trois cartes et quatre cartes rouges. Donc, mais seulement, en réalité, je n'ai pas quatre cartes rouges. J'ai une, deux, quatre, trois, pardon, quatre, cinq, six cartes. Mieux encore, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept cartes. Donc, mais seulement, je n'ai vraiment pas 4 cartes rouges, ni vraiment pas 6 cartes rouges, ni 7 cartes. J'ai 4 cartes noires avec donc 1, 2, 3 et 4 cartes noires. Donc 1, 2, 3 et 4. C'est assez rigolo. Donc l'explication de ce cours, ce tour, pardon, c'est très très simple. C'est avec, dans ce, bien sûr, il y a. On va utiliser le comptage Hamsley. Donc, il y a le cours de mon cher confrère sur le site de netprof.fr. Vous pouvez aller voir, bien sûr, pour comprendre le principe du comptage Hamsley. Donc, je vais vous expliquer, bien sûr, le principe seulement du tour. Donc, j'ai ici 6 cartes, 3 rouges et 3 noires. Donc, bien sûr, c'est un tour mis un peu à ma façon, mais qui est très très facile à réaliser, très rigolo. Donc, j'ai 6 cartes. Donc, suivant le cours du comptage Hamsley, on va d'abord mettre les trois cartes noires en troisième position par rapport au rouge. Donc, c'est à peu près dans cette configuration. Donc, une rouge, deux rouges, trois noires et une autre rouge pour effectuer bien sûr notre comptage Hamsley qui consiste car on va cacher, se débarrasser de des trois cartes noires qui sont derrière le rouge, donc la carte rouge. Donc au ralenti ça va donner ça, donc 1, 2, 3 et 4, bien sûr suivant le principe du comptage Hamsley comme j'ai dit présent dans un cours d'un de mes confrères sur le site de netprof.fr. Donc, premièrement, voilà ce qu'on a fait. On a caché les trois cartes ici. Cela. Voilà. Donc, après, on va dire, non, j'ai pas quatre cartes rouges, j'ai six cartes. Bien sûr, vous n'indiquez pas la couleur juste après, bon, vous dites, moi, j'ai six cartes rouges. Mieux encore, j'en ai sept. Donc ici aussi, on va, disons, effectuer un comptage Hamsley, que pas pour cacher une carte, mais pour, disons, compter 6, compter 7 cartes quand on a 6. Et bien sûr, on peut compter, je sais pas, donc 5 quand on a 4, etc., etc. Donc le principe, c'est que je vais prendre une carte, et au moment de prendre une autre carte, je vais, bien sûr, remettre la première et remettre la deuxième ici et je continue donc cette carte, donc ce qui correspond à peu près à ceci. Donc quand je vous ai remontré, donc je vous remontre le principe, c'est à peu près ça. Donc 1, je mets ceci, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc après avoir fait ceci, donc on se trouve dans cette configuration, d'où on a, c'est un tour assez automatique. Donc, le processus s'est inversé depuis le début. Donc, on a les deux cartes noires, trois cartes rouges et une autre carte noire. Bien sûr, vous avez compris le principe, c'est qu'on va cacher, bien sûr, se débarrasser des trois cartes rouges pour montrer qu'on n'en a que quatre noires. Donc, bien sûr, principe du comptage Hamsley, donc une carte noire. On remet, on pousse les autres cartes. Deuxième carte noire, 2 et 3 et 4. Bien sûr,
à vitesse normale, ça sera fait 1, 2, 3 et 4. On peut bien sûr faire au ralenti. C'est très anodin, c'est pas remarquable. Bon, vous devez faire attention pour seulement le quand on va cacher les trois cartes. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, si vous n'avez pas bien compris le principe du comptage Hamsley, il y a un cours présent sur le site et ce tour est assez rigolo pour bien utiliser ce principe du comptage Hamsley. Merci.